Bonne année les amis, bonne année les amis, bonne année les amis, pour vous souhaiter bonne année, je vous présente ceux-là que vous connaissez certainement, mais bon, ne sait-on jamais. Et aussi un super jeu d'extérieur que je présenterai vite fait, mais rapidement, dans cette vidéo, un jeu d'extérieur pour les enfants. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin de savoir toute mon actualité, hein, voilà. Et puis, je vous dis, let's go! Bonne semaine! Bye bye! Bonne année! Bonne année les amis! Bonne année! Voilà, bonne année à vous! Je vous souhaite plein plein de bonnes choses en cette nouvelle année. Donc, je vous souhaite pour 2022 vraiment énormément de bonnes choses avec à vous et ainsi qu'à toute votre famille. Focalisez sur l'essentiel, hein, vraiment focalisez sur l'essentiel. Hein. Les amitiés sincères, enfin déjà la famille, les amitiés sincères, et puis vraiment le travail, enfin tous vos objectifs. En tout cas, je souhaite que tous vos objectifs, de près ou de loin, se métamorphosent, hein, pour cette nouvelle année 2022. Voilà. Profitez de la nature, vivez votre vie à fond, hein. Ça vous dit quelque chose, les quatre accords Toltec? Voilà. Voilà. Focalisez au maximum autour de ces quatre éléments, voilà, qui peuvent rendre votre vie tellement magnifique, voilà, et surtout profitez des vôtres. Moins d'écran, plus d'ouverture d'esprit, voilà, l'essentiel, les choses vraies, humaines, et voilà quoi, profitez les uns des autres. Je vous souhaite beaucoup de succès dans toutes vos entreprises, dans la limite du raisonnable, hein, bien sûr. Si vous voulez faire un attentat, je ne peux pas vous le souhaiter. Donc voilà, je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Admirez ces belles, belles montagnes. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, comme c'est magnifique. Ah ouais. Les belles montagnes, c'est magnifique, hein, avec le cours d'eau là qui dévale. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vous souhaite la bonne année et je voulais vous présenter à vous, parents. Vous savez, j'ai pas la science infuse, hein, mais simplement vous présenter des endroits de marche que vous connaissez pour certains, certainement, mais pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, quand vous avez des loulous et qu'il fait pas beau, voilà, vous pouvez aller vous balader avec vos loulous, vous prenez la trottinette, vous prenez le vélo et puis on est parti, let's go, voilà. Donc, il y a des endroits chouettes comme ça. Hein. Je vais vous montrer comment y accéder. C'est dans les environs de Crolles, là. Voilà, pas loin de ST Microélectronique, Soitec. Voilà, il y a un petit chemin de marche. Hein. Donc, si ça vous dit, voilà, c'est super, mais vraiment super. On dit, ne dit-on pas que les belles choses sont celles qui ne coûtent pas bien cher? Voilà, hein, c'est. Voilà. J'ai simplement omis de vous montrer comment on y accédait. Voilà. Et c'est vraiment simple
d'accès, vous roulez jusqu'aux environs de la place de parking, elle est plus au niveau de Soitec, mais aux environs de ST Crawl et Soitec Crawl, hein. Vous garez et puis il y a un passage à traverser pour avoir accès à ce site d'une simplicité et d'une autant qui est admirable, tant au niveau simplicité, au niveau de ses recharges de batterie. Il n'y a pas mieux, quoi. Voilà. Bon, ça peut être un site pour se recharger les batteries. Voilà, un site parfait pour les dimanches, par exemple. Les dimanches, les week-ends, quand on a envie de couper avec, je dirais pas toute civilisation, parce que voilà, enfin, la civilisation est relative, mais pour couper court avec l'adversité que chacun de nous peut traverser, voilà, c'est l'un des sites que je peux vous conseiller, voilà, à vous et à vos enfants. Voilà, voilà. Donc en gros, c'est un site qui est destiné à la pêche, aux marcheurs, aux randonneurs et tout. Accessible, hein, faut pas oublier de le préciser, aux personnes handicapées. Les petits pontons sont accessibles aux personnes handicapées. Donc ça, c'est génial, hein. Alors, voilà, c'était la petite parenthèse. Je vais omettre les bavardages parce que tout ça, faut traduire, faut faire du sous-titrage, tout ça, c'est long. Donc, je vais m'arrêter un peu de blablater. Et puis, voilà, je vous laisse admirer la nature tout en musique. Voilà, à bientôt les amis, bye bye.